Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA Online. Aujourd'hui, petite explication pour vous montrer comment obtenir la tenue du FIB, ou du moins les 4 tenues, parce que du coup, en faisant une mission, vous allez débloquer les 4 d'un coup. Donc c'est pas compliqué, pour tout ça, il faudra tout simplement, quand vous allez relancer un braquage, si vous là vous en avez déjà en cours, c'est peut-être déjà trop tard. Quand vous serez en train de refaire un braquage, vous allez donc faire comme d'habitude, aller voir dans le coffre s'il y a de l'argent, de l'or, ou des œuvres d'art, ou encore peut-être des diamants. Une fois ça fait, vous allez devoir choisir le style de braquage. Là, vous devrez choisir en rusé. Donc n'hésitez pas, hein, il faut vraiment que vous preniez en rusé. Et une fois en rusé, la mission pour débloquer la tenue du FIB se fera en, avec la mission de piratage. Donc c'est pas compliqué. Vous lancez la mission, si vous voyez que vous ne reportez pas la tenue comme moi, vous le voyez là actuellement, j'ai la tenue en sortant de mon QG, c'est que c'est pas la bonne mission. Ce que vous faites, vous prenez pas la tête, si vous voulez absolument avoir la tenue, hein, bien sûr, et ben vous, tout simplement, vous quittez la session où vous êtes, comme ça, ça va relancer, vous allez retourner dans une session nouvelle, et donc vous pourrez relancer la mission. Et voilà, vous le faites jusqu'à que vous ayez cette tenue. Et puis normalement, après, ben, il va se passer tout ça que je vous laisse regarder en vidéo, on se retrouve en fin de vidéo. La place du Lacon. Récupérer le pass de sécurité d'agent corrompu afin de pouvoir pénétrer dans le quartier général du FIB. Ah oui, carrément. Ah oui. Oui, oui, exact. Ça, c'est bon, ça. Je vais te laisser la faire. Bah, j'espère bien. De toute façon, tu peux pas faire autrement. T'es pas devant moi, donc. Tu veux un briefing? Non. Je te dis juste un truc. Il faut la faire sans armes, ni haine, ni violence. Pourquoi? Bah parce que tu peux. C'est peut-être pas une bonne idée que j'atterrisse ici, non? Un tout petit peu plus loin, mais ça va aller. Oh, ça... On n'a pas déjà fait cette mission, ça me dit quelque chose. Moi j'ai déjà fait 2-3 fois. Par contre je me suis toujours fait gauler dans cette phase là, je sais pas comment on fait. Vas-y sans sortir les armes mais... Là, je suis en costard cravate mais j'ai pas de truc comme quoi je suis lui FIB. Ouais, ça dépend des plus. Tu vois là il faut les éliminer direct. Oh c'est des flics. Ouais, faut leur piquer leur badge. On y va? J'ai pas un truc silencieux là. Allez. Putain le gars, il faut le faire au silencieux. Je suis au silencieux. Voilà. Même pas pris une balle. Oh là. Faut fouiller le l'agent. Ouais. Vas-y, fais-le. Oh c'est une scène de crime, c'est stylé. C'est un terrain de foot là? Non, c'est un terrain de basket. On peut t'en prendre un aussi. Ah ouais, ok. Ah donc du coup là on va voir le truc autour du coup peut-être, non? Je sais pas. Oui, c'est ça. Ah voilà, c'est ça. Ah, oh, c'est stylé. J'adore. Bon, viens, on prend la bagnole du FIB. Ah bon? Oui. Non. Comment ouais, ça? Vas-y, prends-la si tu veux, mais moi je prends l'hélico pour t'extraire. Comme tu veux. On peut y aller à deux, hein? Non, mais c'est bon. Oh la feignasse. Mais non, mais comme ça tu vas la faire. Ouais, par contre, tire ta race avec un hélico, quoi. Parce que là, forcément, un hélico qui atterrit devant le FIB, qui est pas à eux. Non, mais ça change rien, ça. Si vous restez dans leur champ de... leur champ de vision trop longtemps, ou s'ils vous voient avec une arme. Prenez l'ascenseur pour rejoindre le niveau supérieur. Ah, mais j'adore ce genre de mission, putain!
Merci Rockstar. Putain, j'aurais presque envie de rec. Tu crois qu'il y a des... L'intérieur, ils sont refaits ou pas? T'as vu l'autre jour ou pas? Bah, j'ai fait un tour vite fait. J'ai pas comparé. J'ai rien vu de fou. Mais je verrai quand même l'étage. Tu peux en montrer qu'il manque des étages d'ailleurs. Tournons dans une sorte de mallette métallique. Utilisez l'application Excursion pour localiser l'appareil de piratage. Ah ouais, ok, c'est comme au casino. Tout à fait. Bon, c'est très ressemblant à ce que j'avais vu avec Jamini. Non, c'est pas par là. Là, je m'éloigne. Oh, je suis dans une pièce, mon pote. Il y a un truc... Ah non, là, je suis pas au bon endroit. Ah, ok, ça doit être la pièce de derrière, là. Ah oui, ça doit être là. Putain, c'est quoi? Oh, je m'éloigne là, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Oh, il y a une table ronde et tout, mec! Attends, j'avais jamais vu ça! Ah, je suis désolé, mais je fouille en même temps. Hein. Par contre, l'autre, il va se retourner, il va me voir. Ok, putain, tu m'as fait peur, t'es un malade de tousser comme ça. Oh, je règle tout. Hein. On sait jamais. Hein. Bon, là, je crois que j'ai raté un épisode. Ou alors, je suis pas au bon étage, mais il y a un problème. Mais utilise ton tracker, là. Bah, je l'utilise. Mais je reviens au point de départ. Ah, ça doit être dans ce bureau. Ah bah c'est pas, si c'est pas celui-là, c'est celui-là d'à côté. Ouais, c'est celui d'à côté. Ah ouais, elle est là. Putain, je l'ai pas vu en passant. Cool. Ok, maintenant retourne à l'ascenseur. Putain, c'est stylé, j'adore ce genre de mission. On a fait notre première incursion en online dans le FIB, mec. Et ça, c'est pas un putain de signe. Je vois pas ce que c'est d'autre, hein. Et bah voilà, bah c'est ça en fait les tenues du FIB qu'on avait dans les fichiers de Doomsday. Elles sont là. J'avais complètement zappé ça. Et pourquoi là je me ferais extraire? J'ai pas besoin. Ah oui, c'est pour aller plus vite. Ah si, en fait j'ai besoin. Dépasse. Oh, je prends trop cher, frère. Oh, t'es nul. Bah attends, je m'y attendais pas. Je te l'ai... Ce maléfique, c'est bon. T'es dedans là? Go 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 go. Active le mode furtif. Et comment? Bah je sais pas, tu dis que tu l'as désactivé, donc t'as dû l'activer. Tu l'as activé comment? Je sais pas, j'ai fait flèche de droite, mais je sais pas si ça marchait. Ah, pour le Human Labs. Oui. Ah, on a plus le pass. C'est dommage. Bah,
Si, il me semble que si, moi j'avais pris la photo après. Ah, oui, t'as plus le passe parce que t'es mort. Et donc après, si vous vous rendez dans l'une de vos garde-robes, vous aurez tout simplement à vous rendre dans tenue, braquage du Diamond Casino, et vous voyez, costume du A5B ici, et donc j'en ai le 4, j'ai le négociateur, le médiateur, donc ça c'est sûr, il me semble que je vais prendre la mission, le facilitateur, et l'arbitre. Voilà. Et en tout cas, si cette vidéo vous a plu les potes, et que ça vous aura permis à débloquer quelque chose que et cette tenue bah, que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant, bah, j'en serais ravi. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas le gros pouce bleu, parce qu'en ce moment, vous avez un petit peu lâché les pouces bleus, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Le gros pouce bleu, c'est toujours important, les potes, n'oubliez pas, ça permet de faire voir mes vidéos à plus de monde, même à ceux qui ne me connaissent pas. Pourquoi pas aussi à vous abonner si vous découvrez par hasard cette vidéo, et donc ma chaîne. Et puis, pourquoi pas aussi à partager, ça peut m'aider énormément. Voilà, merci à tous, passez une bonne fin de journée, à la prochaine. Ciao.